Bienvenue toujours en social, mon mardi. Oh, c'est le matin 1h. On envoie un peu des films. Bon, c'est quant à Lou. On devrait se marrer un brin. On s'est replongé à l'époque du gouvernement Balladur. Et là, c'est fou. Simone Veil, Charles Pasqua, François Léotard. Non, je me suis fait du président, là, en beurre, au beurre. Michel Alliomarie, tous vos ministres. Il y a le discours aujourd'hui. Comme disent les jeunes, que des rostats. C'est vrai que mon gouvernement, ça avait de la gueule. C'était Ocean Eleven, quelque part. Alors, Ocean Eleven, monsieur Clunet, ça vous a pas empêché de perdre deux ans après. Mais alors, mais je vous demande de vous arrêter. En rouge et noir. Père Claude Macron. Oh, Stéphane Bern. Oh, c'est merveilleux. Ce sera pour le printemps, hein. Oui, oh, je suis tellement impatient de voir arriver le divin enfant. Aussi belle qu'Anne Sinclair. Mais en même temps, j'ai une forme d'inquiétude. Vraiment, j'ai l'inquiétude, je l'ai encore. Pourquoi, mon cher Stéphane? Mais parce que Harry et Meghan. Meghan, oui, ne travaille pas. On ne les a jamais vus bosser, ils n'ont pas d'emploi, sans emploi. Mais comment vont-ils subvenir aux besoins de ce royal chien? La fortune de la famille royale est estimée à 930 millions d'euros, Stéphane. 930 boules. Oh, oui. Oh, mais écoutez, alors ça devrait aller proche de l'hôpital, trois couches. Hein. C'est con. Oui, niveau passé. Niveau budget, ça devrait passer. Oui, non, ça devrait bien passer. Tiens, pendant que je vous tiens, une petite idée du prénom. Alors, logiquement, le prénom de l'enfant sera Clio. Putain, ce serait Laurent Gérard qui aurait ça. Des stars au gouvernement, il y en a. Regardez. Bonsoir à toutes. Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis toujours rien. C'est comme ça que l'on peut résumer le remaniement d'Édouard Philippe. Et c'est tout de suite dans un jour, pas de destin. Alors, je vous présente une des stars de ce remaniement. C'est donc la ministre dont tout le monde parle, notre ministre des Transports, Madame Elisabeth Borne. Petite précision, je suis là depuis mai 2017 et mon nom c'est Borne. D'accord. Les gars, changez son étiquette. Autant pour moi. Autant, je me disais, une borgne au transport, c'était dangereux. Alors, j'ai une vraie star qui rejoint le gouvernement. Si je vous dis Koh-Lanta, vous avez reconnu le célèbre candidat emblématique de l'équipe des Rouges, c'est Moundir. Moundir Bachoubi. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, mon nom, c'est Moudir, et je n'ai pas fait Koh-Lanta, j'ai fait un master en finance et stratégie à Sciences Po. Bon, alors là, quand même, hein, qu'on ne dise pas que, hein, c'est pas une star. Alors, Général de Gaulle, bonjour. Oh, mais laisse tomber, Edouard, c'est ridicule, ça passera jamais. On n'est pas connu, tu sais quoi, je me barre. On n'est pas connu, tu sais quoi, je me barre. Et pourtant, certains ministres ont réussi à se faire un nom contre toute attente. Moi c'est Marlène, un peu Barbie Girl. Moi mon rêve c'est soit être ministre de culture, ou soit idéalement d'ouvrir un salon d'ongles à paillettes. En fait voilà, un truc un peu chic quoi. Des ongles à paillettes, un truc un peu chic. Et puis au sein du gouvernement, on trouve aussi de sacrées surprises. Donc voilà, je dois vous avouer un truc. J'ai eu un enfant caché avec Francis Lalanne. Et ouais, mon papa c'est Edouard Philippe et ma maman c'est... Pense à moi comme je t'aime. Et tu me délivres de vos bras. C'est flippant, hein. C'est flippant, c'est comme ça que l'on pourra résumer ce remaniement qui aura mis des plombes à arriver. Voilà, c'est la fin d'un jour, pas de destin. Et surtout, n'oubliez pas, putain de jumeau. L'actualité, c'est aussi le match France-Allemagne. Nous sommes en duplex avec Kylian Mbappé. Alors, comment on se sent quand on affronte l'Allemagne, Kylian? Attendez, on est deux jours après un scrutin majeur en Allemagne et une défaite historique d'Angela Merkel et vous ne trouvez rien à dire que de me parler de football? Alors, franchement, j'avais espéré qu'avec le mercato, les changements, le départ de Nikos Aliagas, il y ait du nouveau dans votre émission. Je vois que le niveau est vraiment raté pas prête. Hein. Bon, écoutez, je préfère vous laisser avec l'entraîneur. Ok, merci, sympa. Est-ce qu'on peut m'envoyer l'entraîneur Didier Deschamps, oui. Vous entendez? Oui, je vous entends. Attends, deux secondes. Kylian, tu te charges parce que je te rappelle que tu joues déjà depuis 10 minutes. Oui, mais mets au moins des crampons. Didier Deschamps, bonsoir. Alors, oui, bonsoir. Kylian est en super forme. Hein. Il a marqué 4 buts en 13 minutes avec le PSG. Vous attendez quoi de lui ce soir? Bon, écoutez, rien de extraordinaire, rien d'exceptionnel avec un grand S. Je lui demande juste de marquer 8 buts pour ce soir. Ah,
8 buts quand même. Ils vont me dire contenu protégé, je m'en bats les couilles. Moi je vais manger ma poule au pot à la dinde, à cuit de dinde. Ah c'est gentil, oui. Vous avez 50 ans, c'est important. Et comme on dit, j'ai 50 ans et toutes mes... Oui, donc c'est mon anniversaire, quoi. Rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel, avec un grain S comme sucre. Ils ont pas taqué Merluchon. Merluchon, putain, il avait mauvaise aujourd'hui. Hein. Maillot.